Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Ainsi vous vous nourrirez à satiété à sa poitrine consolatrice, ainsi vous savourerez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Veuille, nous t'en supplions, Dieu tout puissant, faire que nous, qui à cause de nos mauvaises œuvres méritons justement d'être châtiés, nous puissions être miséricordieusement secourus par la consolation de ta grâce, par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le texte de l'Ancien Testament pour le quatrième dimanche de carême se trouve dans le livre d'Osée, le cinquième et sixième chapitre. Je m'en irai, je reviendrai à ma place jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et recherchent ma présence. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera les plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. L'épître se trouve dans la lettre aux Romains, chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant, à cause du péché, son propre fils, dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre Esprit est vie à cause de la justice. L'Évangile se trouve dans la lettre de Matthieu, le chapitre 20. Pendant qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit à part les deux disciples, et leur dit en chemin Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré au chef des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort, et le livreront aux non-Juifs, pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes deux fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Nous le pouvons, il leur répondit Vous boirez en effet ma coupe, et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Après avoir entendu cela, les dix autres furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et leur dit vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le texte pour notre prédication vient de l'Évangile de Matthieu, chapitre 20, les versets 17 à 28. Prions. Ô Jésus, notre roi couronné d'épines, que ton règne vienne parmi nous par la prédication. Pour que nous prenions plaisir à l'entendre et à l'étudier, croyons en ta sainte parole et menions une vie pieuse, ici dans le temps et là-bas dans l'éternité. Et ton Seigneur, ton rein de grâce, parce que tu es venu non pour être servi, mais pour servir et donner ta vie en rançon pour beaucoup. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte de Matthieu, chapitre 20, les versets 17 à 28. Peut être divisé en trois parties. Dans les versets 17 à 19, Jésus prédit sa mort. C'est la troisième fois qu'il fait cela dans l'évangile de Matthieu, cette dernière comportant plus de détails que les deux autres. Les versets 20 à 23 démontrent jusqu'à quel point les disciples ne comprirent pas le royaume de Dieu que Jésus inaugurait. Donc, dans les versets 24 à 28. Jésus corrige ses disciples et enseigne que son royaume n'est pas de ce monde. Il différencie les royaumes du monde du sien. Dans les trois premiers versets, Jésus dit aux disciples, Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré au chef des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ce n'était pas par hasard que Jésus fut arrêté et mis à mort. Les mots ⁇ sera livré ⁇ montrent que c'est Dieu qui livra Jésus entre les mains des hommes. C'était le plan de salut ordonné, connu par Dieu et prophétisé. Pourtant, Dieu n'obligea aucun des participants à jouer leur rôle. Judas trahit Jésus de son propre gré. Pierre s'éloigna de Jésus et le renia pour se protéger. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les non-juifs tous condamnèrent et mirent à mort Jésus délibérément. Et Jésus, Jésus alla à la croix volontairement, selon le désir de son Père. En prédisant tout cela, Jésus a été franc et direct, disant à ses disciples ce qu'il devait prévoir. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Alors, quand Jésus annonça sa mort imminente, il annonça aussi sa résurrection. Ces derniers temps, quand les nouvelles et les mesures mettent le doigt sur notre condition de mortel, il faut aussi entendre que la mort a été vaincue. Ne désespérons pas. Nous ne pouvons pas éviter les misères de cette vie. Mais la joie de notre salut nous soutient. Jésus voulait que la promesse de sa résurrection soutiennent ses disciples lorsqu'ils marchaient dans la sombre vallée de la mort. Il faisait de son mieux pour préparer ses disciples, mais ses efforts étaient vains. Ce n'est qu'après la crucifixion et la résurrection que les disciples saisirent ce que Jésus leur avait dit. Qui peut leur en vouloir de leur manque de compréhension Ne serions-nous pas aussi perturbés par les paroles de Jésus avant que les événements n'aient lieu, il nous suffit de considérer les enseignements concernant le retour de Christ et le jour de la résurrection de toute chair pour savoir jusqu'à quel point les disciples ne saisissaient pas ce que Jésus disait. Avec du recul, les disciples le comprendraient. Dieu merci, notre salut ne dépend pas de ce que nous comprenons de lui mais de sa miséricorde envers nous. Mais au moment même, les disciples ne comprirent pas et avaient en tête une fausse idée du royaume que Jésus allait inaugurer en montant à Jérusalem. Quand Jésus et ses disciples montaient à Jérusalem, ils n'étaient pas seuls. Il est fort probable qu'ils s'y rendaient avec toute une foule qui voyageaient pour assister à la Pâque juive, dans la présence de la mère des fils de Zébédée. Alors, dans les versets 20 à 23, leur mère s'approcha de Jésus avec ses fils, se prosterna pour lui faire une demande. Ordonne que dans ton royaume, mes deux fils que voici, que voici soit assise l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus avait déjà dit à ses disciples, Quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, vous, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Les fils de Zébédée, ont-ils répété à leur mère ce qu'ils avaient entendu? Et c'est ainsi qu'elle demanda ses places d'honneur pour ses fils ou ont-ils encouragé leur mère à s'approcher de Jésus de leur part? Il semble que la bonne hypothèse soit cette dernière, car Jésus répondit à Jean et à Jacques plutôt qu'à leur mère. Il leur dit Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé Il faut comprendre que Jésus leur demande s'ils étaient prêts à être crucifiés avec lui. Avec bravade, ils dirent, nous le pouvons. Jean et Jacques ne comprirent pas ce que Jésus allait souffrir. Et ils ne comprenaient certainement pas ce qu'ils venaient d'affirmer en disant nous le pouvons. Jésus accepta qu'ils allaient boire la coupe qu'il allait boire et être baptisé du baptême dont il allait être baptisé. Quand la mère des fils de Zébédée, elle, à la mère des fils de Zébédée, elle ne comprit pas la portée de ce qu'elle avait demandé. Jésus entra dans son royaume entouré de malfaiteurs. Matthieu indique qu'elle était l'une des femmes qui regardait de loin la crucifixion. S'est-elle rendue compte de l'horreur de ce qu'elle avait demandé à Jésus Remercia-t-elle le Seigneur par après que le Père ne leur ait pas préparé ses places privilégiées comme déjà dit, il semble que les fils de Zébédée aient poussé leur mère à faire la demande à Jésus. Parce que le texte dit que les dix autres furent indignés contre les deux frères. étaient il jaloux qu'ils ne l'aient pas demandé en premier? étaient il déçus qu'ils n'aient pas pensé à demander ces positions d'honneur eux-mêmes? Ce qui est évident, c'est qu'aucun des disciples ne s'attendait à ce que Jésus soit trahi, arrêté, moqué, fouetté et crucifié. Et donc Jésus, en bon maître qu'il est, les corrigea. Le royaume de Dieu n'est pas comme les royaumes de la terre. Jésus étouffa chez les disciples la quête pour atteindre la gloire. Ni Jean, ni Jacques, ni aucun des disciples n'était prêt pour cela. Ils voulaient dépasser la croix, bien que Jésus se dirigeait vers, vers elle. Comme la majorité des Juifs, les disciples s'attendaient à ce que le royaume de Dieu soit établi sur terre. Même au moment de l'ascension, la, de ils demandèrent à Jésus Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël Le rêve de gloire et de conquête était une colosse aux pieds d'argile. Mais le royaume de Jésus est un royaume d'amour, de paix, d'égalité, de fraternité. Jésus dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Les Juifs détestaient l'Empire romain qui les, donnait, euh, qui, qui les dominait, et une partie de la population se révoltait contre les autorités. Barabbas et les deux autres malfaiteurs crucifiés à droite et à gauche de Jésus furent condamnés lors d'une émeute pour des disciples appelés Simon, un des disciples appelé Simon, était connu comme étant un zélote. Nous voyons la même chose aujourd'hui chez nous. Avons-nous déjà oublié les grèves des cheminots, les manifestations des Gilets jaunes? En face des mesures, euh, en face aux mesures que prend le gouvernement, n'y a-t-il pas un manque de respect pour les autorités, autant en France qu'ailleurs dans le monde? Pourquoi fermer les écoles et inciter le télétravail Pourquoi exiger que nous limitons nos contacts Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas assister au culte en direct Est-ce que le gouvernement fait ça pour être draconien, pour harceler les gens Non, ils font ça pour sauver des vies. Mais certains se revoltent. En réponse à ses disciples qui avait en tête une prise de pouvoir, Jésus dit, Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le fait que Jésus soit venu pour beaucoup signifie que le royaume de Dieu n'est pas venu que pour les juifs. Le royaume de Dieu se manifeste tant pour les non-juifs que pour les juifs. Esaïe prophétisa du Messie. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. En cela, il est le meilleur exemple de quelqu'un qui a pris le rôle d'un esclave. Il mourut pour le monde entier. En ces temps, il faut penser au service que nous pourrons rendre aux autres. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Alors, tu aimeras ton prochain comme toi même. Ce que nous faisons à l'un de ces plus petits des frères de Jésus, c'est à lui que nous l'avons fait. Le service que nous rendons, qui soit selon nos compétences. Si vous êtes parent, occupez vous de vos enfants. Si vous êtes employé, continuez à faire votre tâche au mieux en tenant compte des limites. Respectez les autorités en tant que citoyens. Ils sont là pour nous protéger. Soyez patients avec les caissières qui s'occupent de beaucoup de clients énervés et de mauvaise humeur. Restez responsable dans vos achats. Ne pensez que à vous-même, mais aussi aux besoins des autres. Encouragez-vous les uns les autres en restant en contact, par téléphone ou par mail ou en envoyant des cartes à ceux qui sont seuls. Respectez les consignes pour limiter la propagation du virus. Priez pour ceux qui soignent les malades. N'ayez pas peur que vous puissiez commettre un péché en faisant ceci. Vous êtes pardonnés. Vous êtes enfants de Dieu. Et donc, pardonnez à ceux qui commettent un péché contre vous pendant ces temps. Difficile aussi. Voici un résumé de ce que dit Luther en temps de peste. Si c'était Christ ou sa mère qui était tombée malade, tous les chrétiens voudraient les aider. Personne ne fuirait. Si vous voulez rendre service à Christ, vous avez vos proches. Allez, servez-les. Vous trouverez Christ en vous souciant de, de, de vos prochains. Mais aussi, certains sont téméraires et imprudents, ne tenons pas compte de tout ce qui peut contrecarrer la mort et la peste. Ils n'évitent pas ni les endroits ni les personnes affectées. Ceci n'est pas avoir confiance en Dieu, vous le provoquez. Alors pour vous, n'ayez pas de grandes aspirations pour être les premiers. Et ne vous mêlez pas dans les affaires qui ne sont pas de votre responsabilité. Vos prochains sont les personnes que vous croise, qui vous croisent vos chemins. Servez vos proches selon votre place dans cette vie. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Vous êtes ses disciples. Il vous a baptisés avec son baptême. Il vous a fait boire de sa coupe pour vous pardonner par le sang qu'il a versé sur la croix. Jésus est venu pour vous servir. Il donna sa vie en rançon pour vous. Aimez donc les uns les autres parce que Christ vous a aimé. Au nom de Jésus, Amen. le Seigneur. Père miséricordieux, ton Fils nous a enseigné que nous devons rendre service aux plus petits, et que c'est ainsi que nous lui rendons service. Nous prions pour les plus faibles de nos communautés, en particulier les personnes âgées, les malades et les personnes sans domicile fixe. Que nous ayons de la compassion envers les pauvres, les veuves et les délaissés. En particulier, Soutient les résidents au Kirchberg et le personnel qui s'occupe de leur bien-être que nous voyons Christ dans nos prochains ô dieu notre roi tu as donné toute autorité à ton fils tu établis les autorités de ce monde pour nous bénir et pour le bien-être commun dirige les activités du président de l'état du premier ministre de l'assemblée nationale des présidents des régions des maires et de leurs conseils, ainsi que des chefs des nations du monde. Qu'ils soient courageux et écoutent et répondent aux avis des experts qui peuvent les conseiller. En ces temps difficiles, qu'ils se chargent de leurs responsabilités en étant des personnes qui ne veulent pas être servies, mais qui veulent servir. Ô oh Dieu, notre médecin, ton Fils guérit les malades par sa parole et en touchant les personnes suyées guéris les malades d'aujourd'hui, en particulier ceux que nous connaissons et qui sont dans nos pensées. Protège les médecins, le SAMU, les infirmiers, les aides-soignants, les techniciens en radiographie, ceux dont c'est la tâche de nettoyer et tous ceux qui se mettent en danger pour sauver la vie des autres. À travers leurs efforts, protège la vie des malades. Ô oh Dieu, notre Créateur, Créateur des choses visibles et invisibles. Tu nous as donné notre raison pour contempler et mieux comprendre ta création. Donne sagesse et persévérance à ceux qui étudient et recherchent des traitements et un vaccin potentiel. Protège les scientifiques des dangers de leur travail. Ô oh Dieu, source de tous nos biens, nous te remercions pour ceux qui sèment et récoltent, ceux qui préparent notre nourriture ceux qui font les livraisons et ceux qui travaillent en magasin pour que nous recevions notre pain de ce jour avec action de grâce. Au Dieu de compassion, soit le soutien des personnes qui sont dans le deuil et de ceux qui sont isolés, soit leur soutien et leur réconfort, et que la parole des autres les encourage face aux difficultés. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.